Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 63 sur notre let's play sur le modpack Chroma Technologies 2. Et aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour automatiser quelque chose de très 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 important pour la fin du modpack. Ça va être tout simplement les singularities. Parce que bon, les singules d'extended crafting, tout simplement, on va en avoir besoin de quand même pas mal. Et surtout, bah, j'ai envie de vous dire, s'ils sont automatisés, au moins, on est tranquille par la suite. Alors, on en a pas mal, mais il faut savoir qu'il y en a, je vais pas les automatiser. Pourquoi? Parce qu'il y en a, c'est à usage unique. Si vous voulez, sur Chroma Technologies 2, vous avez plein de singules custom. Notamment, par exemple, si on prend ici la calculation processeur. Mais la calculation processeur, si on regarde l'utilité, elle m'est utile uniquement ici pour la créative énergie cell. Et j'en ai besoin que de deux. Donc ça, j'ai pas besoin de l'automatiser. Je ferai juste un truc pour faire une singule à côté. Et je la ferai quand j'en aurai besoin. Sinon, on a l'Ultimate Singularity qui, elle, par contre, est utile parce que, regardez, elle se met dans 15 tables de craft ici, enfin 15 crafts, plus ici un autre craft, et en plus, on en a besoin de plusieurs par moment. Pareil, encore un autre craft ici, donc on en a besoin quand même de pas mal de ces Ultimate Singularity. Et pour le coup, là, on a besoin que des singus de base, c'est-à-dire du bronze, de l'iron, du lead, de la glowstone, du lapis, etc., etc. Donc ça, eh bien, pour le coup, je vais juste l'automatiser, et comme ça, enfin, je vais l'automatiser à 100% avec Applied. Comme ça, dès qu'on en aura besoin, je marquerai ici singu, boum, et ça va me faire la singu directement. Et comme ça, au moins, on sera tranquille là-dessus, et il n'y aura plus de soucis. Pour automatiser les singularities, il va nous falloir déjà une machine d'extended crafting qui va être tout simplement le Quantum Compressor. Pour le coup, ça, je vais l'automatiser. Alors, je sais plus exactement si je regarde au niveau des Black Iron Frame. Ça, je l'ai pas automatisé. Donc, ça, il faudra que je l'automatise aussi. Après, normalement, tout ce qui est Black Iron, on les a. Hein. Tout ça, c'est automatique. Et la suite aussi, ça doit être automatique. Donc, ça, je vais pouvoir déjà aller les poser ici. Et comme ça, au moins, ce sera tranquille. On pourra directement lui en demander. Par exemple, si je marque Quantum ici. Voilà, si j'en veux un, si je fais start, il va me le faire. Et si je regarde Quantum, voilà, j'en ai un. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, il va en falloir un total de 19. Donc on va faire Quantum ici, hop. Et on va lui en demander du coup 18 maintenant. On va voir ce qu'il va me manquer. Il va me manquer de la Blackstone, il va me manquer de la luminescence. C'est deux choses que j'ai pas forcément automatisées. Mais la Blackstone, on en a énormément. Parce que je l'ai utilisé pour faire le build de là-haut. Et pour le coup, ça, regardez, j'en ai masse ici, de la Blackstone. Mais c'est juste que c'est pas relié directement. Donc ça, pareil, je vais en récupérer pas mal. Regardez, je vais en récupérer même beaucoup. Et je vais en mettre directement dans mon système. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Hop, voilà, je vais en récupérer. Et comme ça, au moins, on en aura un petit peu en stock. Et la luminescence, on va regarder comment ça s'automatise. Mais ça, je crois que je l'avais automatisé. Ou du moins, c'est facile à faire. Luminescence, voilà, c'est ce craft-là. On va le start ici et on va le mettre là. Et là, normalement, on devrait avoir tout pour pouvoir le faire. D'ailleurs, c'est même bizarre, je crois que je l'avais juste fait à la main au final. Luminescence, donc maintenant, on va marquer Quantum plutôt. Quantum, et si je lui en veux 18, est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Non, il ne manque rien. Du coup, j'ai plus qu'à cliquer sur start et let's go, c'est parti. Ça va me faire mon petit craft, ça va faire tout ça. Et puis comme ça, on pourra ensuite les récupérer. À la suite de ça, il va me falloir d'autres choses. Vous vous souvenez, on avait fait des petits autocrafts ici avec packaging auto, juste là. On en avait fait un et j'avais fait les autres. Donc pour l'ultimate packager, crafter, etc. Avec un unpackager, un packager et à l'intérieur des recycle holders. Bon bah ça en fait, on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va me falloir 19 de chaque. Alors je crois que je ne l'ai pas automatisé. Faudrait que je les automatise. Mais en gros, on va faire 18 packages. Packager, enfin du moins des packagers, unpackager et packager, ces deux choses là. Donc ça, on va l'autocraft, ça, on va aussi l'autocraft, et ça, je crois qu'on peut aussi l'autocraft, même si je sais plus si c'est déjà autocrafté, mais je crois que j'ai pas autocrafté beaucoup de choses sur packager, j'ai juste fait, voilà, le packaging component. Donc au pire des cas, comme ça, ce sera fait, et au moins, ce sera automatique. Donc on va mettre ça juste là, parfait. D'ailleurs, Extended, ça allait ici, je vais le déplacer, je préfère quand c'est sur la même ligne. Parfait. Et qu'est-ce qui va me manquer? Donc si je mets package, ok. Si je lui dis maintenant des packagers, j'en veux 19. Start, ok, ça c'est bon. Et si je fais unpackager, ça pareil, j'en veux 19. Il va me manquer des hoopers qui sont pas automatiques.
Comment ça, ils sont pas automatisés? Vous voyez, c'est ça qui est bien aussi, c'est que en fait, j'ai tellement de stock dans mon apply, enfin, j'avais tellement de stock dans mon apply qu'il y a forcément plein de choses qui n'étaient pas encore auto. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu me dire, bah tiens, là, par exemple, les hoopers, eh bien, je vais pouvoir les autocraft. Et du coup, là, boum, je fais ça, start, ça, c'est bon, c'est parfait. Et il va me falloir aussi, au niveau de package, il va me falloir des recipe holders. Et ça, il va m'en falloir, du coup, je dirais 38. Il va m'en falloir 38 au total. Parce que en fait, il nous en faut 2 par craft, sachant qu'on va avoir 19 crafts, et ben ça devrait être bon. Je vais devoir faire aussi des crafters, des rev tools. Alors on en a pas mal en stock ici des crafters, mais et en fait je vais tout simplement en recrafter parce que je vais l'utiliser pour faire mes crafts dans mes singus. Vous allez voir comment tout à l'heure quand on mettra en place tout ça. Donc hop, je vais mettre le crafter tier 3, le crafter tier 2 se fait comme ceci, le crafter tier 1 se fait comme ceci. Et là, on est bon. Et normalement, la machine frame ici, elle est déjà auto. Si on regarde, ouais, c'est déjà auto. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir lui en commander quelques-unes. Donc hop, ça, je vais le mettre ici, par exemple. Et comme ça, on va pouvoir en commander. Donc là, crafter, il va m'en falloir encore 12. Comme ça, on sera pas mal. Alors ça, c'est des crafters tier 2. Moi, je veux des crafters tier 3. Tier 3, ils sont là. J'en veux 12. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Il me manque rien. Let's go, c'est parti. Ok les amis, nous avons ce qu'il faut. Regardez juste ici, on a nos 18 quantum qui sont faits. Du coup, on a bien 19 quantum compresseurs. On a bien nos 19 unpackagers, nos 19 packagers, nos 19 crafting tier 3, nos 38 package recipe holder. Donc ça, c'est parfait. Ok, bon bah les recipe holder, vous savez quoi? On va les poser pour le moment juste ici. Et on ira les process, enfin mettre ce que l'on veut à l'intérieur juste après. En attendant, j'ai fait une petite compact machine ici, Singularity. À l'intérieur, j'ai amené Applied Energy Stick directement. Donc comme ça, on va pouvoir directement tout lier à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, et eh bien tout simplement, c'est mettre en place nos quantum. Alors, comment on va faire ça? On va récupérer avec nous des blocs. Allez, on va reprendre du traited wood. On va poser un bloc ici. Ouais, on va faire ça comme ça. On va mettre on va peut-être espacer un petit peu plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Dessus, on va mettre ici notre quantum compressor. Voilà, on va le poser juste ici. On va faire ça tous les deux blocs. Voilà, comme ça, tac, tac. On va mettre quantum compressor, ok. Là, on va laisser quelques blocs d'écart. Voilà, on va faire ça ici, tac, 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 je les ai écartés un petit peu trop, voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Ok, du coup, on va reposer encore d'autres juste ici, parfait, et il va m'en manquer encore quelques-uns à poser. En vrai, je peux peut-être les poser ici, voilà, on va faire ça, tac, tac, tac et tac, parfait. Donc ici, boum, tac, tac et tac, et il m'en reste un à poser. Bah, je vais le poser en plus en hauteur, tant pis, on va le mettre un peu plus haut. On va le mettre un peu plus haut et vous savez quoi, on va même le séparer ici. Ces deux là, on va les, comme ça on va pouvoir poser les câbles tranquillement. Donc ceux là on va les poser par ici. On va laisser 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va le poser là, tac. On va poser un ici, tac. Et ensuite on va reposer un autre là. Et un autre là, et comme ça, ce sera pas mal. Nickel, ok. Donc ça, ça va être pour nos singus. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir mettre à l'intérieur. Oui, c'est pas terminé. Pour faire les singus, en fait, il va vous falloir ici des Ultimate Catalyst. Bon, bah du coup, ça pareil, je vais lui en commander quelques-unes. Donc il va me falloir Ultimate Catalyst. Hop, Ultimate Catalyst. Ça, il va m'en falloir, pareil, 19. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire Start. Et du coup, let's go, il va me les faire. Ok, en attendant, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà casser tout le Traited Wood qui est juste en dessous. Et je vais pouvoir commencer à mettre en place les premières automatisations. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on veut, à l'intérieur de ça, des quantum compresseurs, c'est lui amener tout simplement des lingots. Mais le problème, c'est qu'on a besoin, sur chacune des singularities, on a besoin de 8000 items. Alors, pour le coup, 8000 items, c'est bien, mais ça prend quand même beaucoup de slots. Ça prend beaucoup de slots et ces slots-là, en fait, tout simplement, on va pouvoir les gérer via tout simplement des crafters. Via des crafters, en fait, on va pouvoir gérer un peu tout ce stock-là. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la bronze ici, en fait, la bronze, c'est 8000 lingots. Mais du coup, 9 lingots, c'est un bloc de bronze. Et du coup, ce bloc de bronze, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a ceux qui me suivent depuis un petit moment. Sur Chroma Technology 1, j'avais fait exactement le même système, plus ou moins. J'avais utilisé d'autres petites choses. Mais en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des blocs de bronze. On va importer des blocs de bronze dans quoi? Dans un crafter. Le crafter, on va le poser juste un des quarts comme ça. Voilà, on va poser ça ici.
On va faire tout simplement une lignée de crafters ici. Voilà, on va remettre des crafters. Alors, je vais poser plein de trucs comme ça. Puis, je vais poser des crafters ici. On va poser des crafters, en fait, sur chacun des quantum compresseurs. Et comme ça, après, on pourra les setup. Donc là, vous l'aurez compris, on va mettre ça de partout. Ok, les amis, on avance plutôt bien. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tous mes crafters partout, sauf à un endroit où j'ai fait un système un peu plus bizarre. C'est parce que, tout simplement, ici, on va être sur de la glowstone. La glowstone singu qui est juste ici. Et pour le coup, il n'y a pas de reverse craft en mode si... vous craftez de la glowstone et que vous l'uncraftez, ça vous donne de la glowstone dust. Alors au final, je viens de repenser à un autre système qu'on pourrait utiliser et qui pourrait être encore plus efficace. C'est-à-dire qu'ici, en fait, je vais mettre un compacting drawer juste ici, voilà. Et en fait, ça va être trop bien. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ça ici, je vais mettre compacting drawer et ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux, les amis. Finalement, mon système va être encore meilleur. Ok. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, regardez, j'ai mis un contrôleur d'XNet ici avec un petit peu d'énergie dedans. Je vais mettre ça. Je vais prendre avec moi un flux point. Voilà, on va prendre un petit flux point ici. Tac. Je vais le poser juste en dessous ici. Voilà. Quoique, on peut pas le connecter direct. Du coup, ce que je vais faire souvent, ce que je fais maintenant, c'est que je prends un câble de nitro. Voilà, un petit câble de nitro ici. Je le pose. Je pose un petit câble de nitro et je pose ensuite... ici, par exemple, mon câble. Alors, je vais le poser plutôt là, du coup. Je vais même le poser plus au-dessus. Vous savez quoi? Ça sera encore mieux. Là et là, je vais pouvoir mettre ici en sortie matrix. Parfait. Je vais faire ça. Et là, directement, ce que je vais faire, c'est energy create, extract ici et insert dans mon contrôleur. Comme ça, on est bon. Ok. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des Advanced Blue Connectors de partout, juste derrière ici. Voilà, on va mettre des Advanced Blue Connectors. Ça va me permettre de plusieurs choses. Déjà, d'extract de mon crafter pour mettre dans mon quantum compressor. Et en plus de ça, ça va me permettre d'extract, d'insert de l'énergie dans mon quantum et dans mon crafter. Et ça, c'est très important parce qu'on va en avoir besoin de quand même pas mal d'énergie. Et du coup, hop, ça va faire l'affaire. Au moins, on aura tout de lié. Donc là, regardez, je vais lier ça ici. Je vais lier ça ici. Ceux-là, je vais les lier entre eux. Et après, j'aurai juste à amener l'énergie, enfin, les câbles directement à mon contrôleur qui est tout là-haut. Et comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc là, hop, je vais tout relier entre eux. Et comme ça, ce sera parfait. Hop, je vais faire ça. Et ici, on va tous les relier. C'est-à-dire là, on va faire une petite lignée ici. Tac, tac, tac. Parfait, juste là. Et là, on va pareil les lier entre eux. Ceux-là, comme ça, on est bon. Et ça, je vais pouvoir le remonter par ici. Tac, voilà. Et là, ceux-là, les lier entre eux aussi. Comme ça, c'est parfait. Et ici, normalement, on devrait tout voir. Maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir tout simplement insert de l'énergie dans tous mes crafters ainsi que dans tous mes quantum compresseurs. Comme ça, au moins, ce sera la première chose de faite, c'est-à-dire d'amener de l'énergie de partout. Et ça, au moins, on sera tranquille. Ensuite, on va pouvoir commencer à setup un petit peu tout mon système, c'est-à-dire eh bien extract une ressource d'un slot, etc. Et ensuite, après, ben, c'est let's go, quoi. C'est on met tout en place et puis... et puis on sera tout bon. Hop, parfait. Du coup là, si on vérifie, on a de l'énergie qui arrive ici. Ça va se disperser un petit peu de partout. On va après avoir l'énergie ici. Ça va mettre un petit peu de temps au début de tout initialiser en énergie. Mais une fois que tout sera rechargé, ça va y aller. Hein. C'est juste au tout début que tout se recharge. Mais ça, regardez, ça va se recharger petit à petit. Celui-ci vient de se recharger. Ça va me recharger les autres. Enfin, petit à petit. Comme ça, on sera tranquille. Maintenant qu'on a l'énergie qui arrive, il va nous falloir une autre chose, c'est mettre en place les unpackagers et les packagers. C'est-à-dire que sur chaque crafter, je vais mettre déjà des unpackagers comme ceci. Voilà, on va tous les positionner ici. Ok, ça c'est bon. Ici aussi. Et ici aussi. Parfait. Là aussi. Et on va mettre maintenant les packagers au-dessus. Donc hop, on va faire ça. On va mettre des packagers. Ça, on va le récupérer. Et ça, on va le mettre sur chacun de mes unpackagers. On va mettre des packagers. Un peu exactement de la même façon, en fait, qu'on a fait pour les autocrafts via les Advanced Table, etc. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, tout ça, il va falloir que je l'amène à Plaid. Et pour le coup, ce que je vais faire, ça va être très simple, c'est que je vais prendre avec moi un Dance Cable. Voilà, je vais prendre avec moi des P2P. P2P ici. On en a qu'un, on va refaire un autre. Voilà, P2P. Tac, on va récupérer ça. On va prendre avec moi des memory cards. Memory cards, parfait, juste ici. On va mettre en place tout ça. Alors, on en a 19 au total. Donc, en soi, un dance cable suffit. Donc, comment faire ça?
Eh bien, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tous les lier entre eux. Là, on va faire ça. On va tous les lier entre eux comme ceci. Tac, 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 tac. Parfait. Ici aussi. Voilà, on va les lier entre eux. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'on relie tout au centre. J'ai posé mes P2P, je vais vous montrer. Et ici, je vais pouvoir récupérer tout simplement des channels juste là. Donc, hop, shift, clic droit, on est bon. On va aller au niveau des singus. Et là, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un petit système. En fait, j'ai séparé en deux. Ici, j'ai mis en full parce qu'en fait, ça compte par deux. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Et je crois que ça fait 30, je sais plus combien au total. Et ici, pareil, on a 2, 4, 6. Ici, comme ça, on va pouvoir tous les lier. Donc là, si je relis ici, hop. On va le relier, il va aller se linker. Et juste là, on va aller chercher le suivant. Et juste à côté ici, tac, on va faire shift-click. On va mettre ça ici. Et celui-ci, on va le relier juste au-dessus, juste là. Donc tout ça va se relier, on va patienter un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps. Et après, au moins, tout sera relié à Applied et on sera tranquille. Et voilà les amis, après un petit bout de temps, ça vient de se linker. Regardez ici, on a nos 6 channels, ici on a nos 32 channels. Donc ça, c'est parfait. Et tout ça, maintenant, ça a de l'énergie aussi au niveau de mes packagers, unpackagers. Donc ça, c'est nickel. Nous allons passer à la phase un peu plus relou, on va dire. Ça va être tout simplement de mettre en place tout ce qu'il va nous falloir. Alors je vous avoue qu'à la base, je voulais m'embêter un petit peu et faire exactement pile le bon nombre. C'est-à-dire, j'ai calculé, en fait, il aurait fallu 888 blocs et 72 nuggets pour faire nos 8000 lingots. Donc à la base, je voulais faire ça. Au final, je me dis que je vais mettre que des blocs. Je vais mettre plutôt 989 blocs du coup. Et comme ça, eh bien tant pis. Ça va m'en mettre un petit peu plus dans mon quantum. Mais au final, c'est des ressources que j'ai quand même en masse. Et c'est pas non plus des choses hyper chères. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, si vous voulez faire vraiment le pile le bon nombre, en fait, il faut mettre 888 blocs, soit 13 stacks de blocs et 56 blocs en plus. Et ensuite 72 nuggets. Pour faire exactement le bon nombre. Bon, là, je vais pas m'embêter, je vous avoue, les amis. On va se mettre ici en process. Et moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais récupérer ici, par exemple, le bronze. On va y aller petit à petit. Hein. Le premier, c'est le bronze. Donc, hop, ici, bronze, il va falloir automatiser les blocs. Hein. On va automatiser les blocs, bien évidemment. On va prendre avec nous un stack de blocs ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit, il va me falloir 13 stacks de blocs. Donc en gros, j'en mets 14 stacks. J'en mets 14 stacks, ça sera très bien. Donc 1, alors si tu veux mettre bien les stacks, ça serait mieux. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop, 13, 14 stacks de blocs. Ok. Et du coup, ici, moi, ce que je veux dire, c'est que ça va me faire au niveau des singus. Ça va me faire la bronze singularity qui est juste là. Donc ça, il va falloir que je le mette à l'intérieur. Au final, j'ai recompté et en fait, c'est 13 stacks et 57 blocs. Comme ça, on sera bon, normalement. 56 blocs plus un bloc. Normalement, on devrait être bon. On va tester. On va faire save. Regardez, on va en prendre deux avec nous. On va faire save ici. Ok, ça c'est bon, le process il est mis. On va retourner au niveau de nos singus. On va prendre le premier slot. Allez, on va dire celui-ci. Du coup, on va mettre un package ici plus un package juste là. Ok, on va lui dire ici que un bloc me donne des lingots. On va faire all extract. Parfait. On va se mettre en fast ici. Parfait, donc ça c'est bon. Et ce qu'on va faire ici, donc on va les rename. Tout ça, moi je vais les rename, ça va prendre un peu de temps, mais je vais les rename, ça va être beaucoup plus simple. Et comme ça, dans mon contrôleur ici, en fait, je vais aller récupérer l'ID bronze. Donc si je marque bronze ici, peut-être que je pourrais le voir, je sais pas exactement. Peut-être pas, peut-être pas. Mais je vais le trouver, vous voyez, bronze ici. Je vais faire un items, ok? Items au niveau du bronze ici. Je vais faire insert. Ça va m'insert quoi? Ça va m'insert les lingots de bronze uniquement. Donc ça, je vais pouvoir lui dire ici, ingot de bronze. Et comme ça, après, là-haut, je vais pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire au niveau du bronze ici, je vais faire un extract par stack de bronze. Voilà, bronze ingot. Et comme ça, on est bon. Du coup, là, normalement, si maintenant, je vais l'automatiser. Je viens d'aller dans mon apply pour mettre le bloc de bronze en autocraft. Et du coup, si je fais start ici, start, ok. Là, normalement, on devrait avoir le bronze qui va arriver petit à petit, normalement. Alors déjà, il manque quelque chose, c'est les ultimate catalyst. Voilà, ça, il va falloir que je le mette ici. En attendant, vous avez vu, le bronze, il est arrivé.
parce que ça prend un petit peu le temps, hein, c'est le temps que ça me fasse tous les blocs, ça me craft tous les blocs. Et là c'est arrivé, du coup regardez, là le bronze est en train d'arriver, c'est en train de me faire la singu. Donc petit à petit, regardez, c'est en train de me les amener, donc ça c'est nickel. Et du coup normalement on devrait être bon. Alors ce que je peux faire ici pour booster un tout petit peu la chose, c'est qu'en fait sur les extracts je mets en order. Comme ça au moins ça va faire un cercle. En fait ça va aller prendre petit à petit ici et ça va aller un tout petit peu plus vite. Pas beaucoup plus vite mais un tout petit peu plus vite. Ok, regardez, là on devrait avoir nos 8000 blocs, ok. Et vous avez vu, ça m'a fait un de bronze en plus. Donc en soi, on est comme, enfin on est bien, on n'est pas à un bloc près, je vous l'avoue. Et comme ça, au moins ici, c'est en train de me faire la singu. Alors ça prend un petit peu de temps à faire la singu de bronze. Je sais plus combien ça me prend de RF, ça prend 5000 FE par tick et il faut 5 millions. Donc vous voyez, il faut patienter un petit peu. Vous voyez qu'ici l'énergie est un petit peu consommée. Et au bout d'un moment, vous allez voir que la singu va être faite juste là. Et voilà les amis, regardez, nous avons notre bronze singularity qui est fait. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien tout simplement, c'est de reprendre un chest avec moi. Je vais prendre un chest tout simple. Hein. On va prendre quand même un All Netherite chest. On va pouvoir poser juste ici, peut-être bien. Attendez, comment on va faire ça pour que ça soit clear quand même? En soi, je peux le poser directement là. Regardez, alors ça va peut-être pas être très très beau. Hein. Ça va peut-être pas être très très beau. Comment je pourrais rendre la chose un peu plus belle? Je suis en train de réfléchir à ça. Alors, je sais. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, regardez, on va prendre un connecteur avec moi. Ben, regardez, j'en ai juste ici. Connecteur qu'on va poser juste là. Dessus, on va mettre un All Netherite Chest. Parfait. Et là-dessus, on va mettre un Import Bus. Import Bus. Voilà, juste là, avec du speed à l'intérieur, des Acceleration Cards qu'on va mettre là. On va mettre donc Acceleration Card dedans. On va prendre des Smart Cables qu'on va pouvoir poser juste ici. Comme ça, ça va se lier. Et moi, ce que je vais faire, eh bien ici, je vais refaire un autre channel en Extract, enfin en Items. Je vais Insert dans ce All Netherite Chest, ok. Et je vais extract par stack dans tous mes quantum. Comme ça, ça va retourner directement dans mon applied et au moins tout sera full automatique. Donc là, j'ai fait avec vous le bronze. Les autres, je vais les faire hors cam. C'est-à-dire que je vais faire une petite coupure, je vais faire tous les autographes parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et on va se retrouver après, eh bien tout simplement pour faire l'ultimate singularity. Normalement, si je marque singu ici, on devrait avoir, regardez, notre bronze singularity. Donc ça, c'est parfait. Bon ben, let's go, allez faire tous les autres singu. Ok les amis, après plusieurs grosses minutes, j'ai enfin terminé de mettre ici tous mes packages. J'ai aussi setup tout mon Xnet ici avec les filtres, etc. Et normalement, si je vais ici, que je lui demande une autre singu, par exemple la singu de Redstone, si je fais start, ici normalement la singu devrait se lancer. On va sortir aussi la Glowstone singu, c'est celle-ci qui me fait le plus peur. Je vous avoue, on va la start, on va dire start ici. Normalement, il devrait amener toute la Glowstone ici. On voit que ça apporte bien la Glowstone. Maintenant, il faut qu'il l'amène ici. Et ça, c'est une autre histoire. On va bien voir. Normalement, il devrait. Hein. Normalement, il devrait. Mais est-ce que je l'ai bien setup? Ça, c'est une autre histoire. Parce que là, en fait, je l'ai... Ah ben non, mais il peut pas, en fait. Je l'ai juste pas setup. Attendez, Glowstone. Voilà, Glowstone ici. On va le setup, celui-ci. Je l'ai oublié complètement. Hein. Faut se le dire. Je vais faire ça. Je vais marquer extract la Glowstone. Et je vais insert la Glowstone. Et bien dans la Glowstone. Du coup, là, regardez, c'est bon. Il me le fait bien. Ok, donc ça, c'est nickel. L'insingu de Redstone, est-ce qu'elle s'est lancée celle-ci? Je ne sais pas, faut qu'on check tout partout. Ah mais non, ils peuvent pas se lancer parce que j'ai encore oublié une chose. C'est ici, il faut que je fasse maintenant les crafts. Donc il fallait que je lance toutes les singus pour ensuite faire eh bien les crafts en mode bah, ça me donne de la redstone ici. Si je fais redstone ici, je fais ça, boum, ça m'en fait 9. All extract en fast. Et là normalement ça devrait être bon, ça va se lancer normalement. Si je fais ça, là, let's go, c'est parti. Ok, donc là, il faut que je fasse ça de partout. Donc vous savez quoi? Moi, je vais lancer toutes les singus une par une. Et je vais setup mes crafters et on va se retrouver juste après. Ok les amis, ça tourne plutôt bien. Toutes les singus sont en train de se faire petit à petit. Là, il m'en reste plus qu'une, c'est la platinum. Normalement, ça devrait bientôt arriver au niveau des blocs. Alors pourquoi c'est un petit peu long? Parce qu'en fait, vu qu'on est sur du package X-Crafting, en fait, il va me faire mes je sais pas combien de blocs d'un coup et boum, il va tous me les importer direct. Donc c'est ça qui est un petit peu long. Mais du coup, regarde, après, j'ai juste à faire ça. Start, je mets ici en fast.
fait ça et boum, let's go, c'est parti pour faire cette singule là. Et du coup maintenant, regardez, si on va au niveau des singules, il nous reste plus que 3 à faire. Regardez, celles-ci sont en train d'être faites, mais sinon on les a tous. Regardez, hop, singu. Voilà, parfait, on peut les récupérer juste ici et ça peut nous compléter les quêtes. Et après il nous restera plus que ces 3 là à récupérer, donc ça c'est nickel. Et grâce à ça, on pourra se faire l'ultimate singularity qui est juste, juste là. Et du coup ça, on va aller l'automatiser. En attendant que cette singu se fasse, on va aller ici, on va aller au niveau de l'ultimate crafting. Alors je sais pas si je l'ai mis, je crois que j'ai pas mis, j'ai mis juste l'ultimate ingot. Donc on va récupérer le package X-Crafting ici, enfin le package encodeur. Hop, on va faire ça, on va faire load, ok. On va se mettre sur le deuxième slot, on va se mettre en mode ultimate. Et je vais lui dire ici, bah tiens, tu vas me faire comme ça, boom safe, l'ultimate singularity. Et du coup ça, on va pouvoir aussi l'automatiser et ça va être vraiment trop trop bien. Donc ça, c'est fait. Du coup on va attendre que les autres singus se fassent. Normalement, regardez, on en a deux autres qui sont arrivés. Singu, on a l'Invar et le nickel, il nous restera plus que la platinum et comme ça on pourra se faire notre première ultimate singularity. Et voilà les amis, nous avons toutes nos singules qui sont faites, on va pouvoir les replacer ici et je vais pouvoir lui dire, bah tiens, fais-moi une ultimate singu. Si je fais start, regardez, boum, je fais start ici et normalement il est en train de me faire mon ultimate singularity. Donc si je vais ici, boum, on a l'ultimate singularity qui est juste ici, c'est vraiment parfait. Ok les amis, moi ce que je vais faire maintenant que j'ai les Ultimate Singularity, là je suis en train d'en redemander 3 au total, parce qu'il va m'en falloir 4 au total, parce que je sais pas si vous voyez, depuis le début en fait j'ai un petit truc créa qui est juste ici. Parce que bon, on a les Ultimate Singularity, c'est pour faire un truc créa. Et je pense qu'on va faire ce truc créa qui est juste là, parce qu'on peut faire aussi maintenant ici les Ultimate Ingot. Ça, on va pouvoir les faire. Normalement, il va pas me manquer grand chose. Il va juste... Je sais même pas s'il me manque rien du tout, normalement. Ultimate ingot. Si on regarde ici, est-ce que je peux en faire un? Je peux en faire. Donc ça, c'est parfait. Donc il va me falloir... il va me falloir combien exactement d'ultimate ingot? Si on regarde, ici, il va me falloir 4... 2, 4, 6, 8 catalystes. 8 catalystes, donc c'est 8 fois 4. On va dire bah, 8, 16, 32... 32, ça fait 64 ultimate ingot. Ok, bon, on va voir ce qui va nous manquer du coup. Si je fais ultimate ingot, si je lui en demande 64, est-ce qu'il va manquer quelque chose? Il va me manquer du Gaia Spirit ingot, ok. Et du Pick Slime, et ainsi que des Nether Star. En vrai, ça va pas être un souci, Nether Star, tout ça, j'ai la petite solution. Par contre, du coup, pour le Gaia, normalement, on a tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut que je mette le craft, et le Pink Slime, on a tout ce qu'il faut, et c'est pareil, il faut juste que je mette le craft. Bon, bah du coup, je vais aller faire tout ça. Je vais pouvoir lancer les Ultimate Ingots, c'est parti, start. Alors, pour les Nether Star, en fait, tout simplement, c'était au niveau de mon Botania, vu que je l'ai stoppé, en fait, tout était stocké dedans, du coup, j'avais juste à aller les récupérer, et comme ça, ça nous fait un petit stock de Nether Star ici. Regardez, Nether Star 634, si on regarde, en fait, ils étaient stockés ici, je vais vous montrer vite fait, au niveau de Botania... Si on retourne dans ma zone, parce que je l'ai stoppé, en fait, tout simplement, on a eu ce qu'il faut. Regardez, on a toutes les Nether Stars qui sont ici. Du coup, je les récupère. Et comme ça, au moins, ça nous fait des Nether Stars. Donc ça, c'est parfait. Bon, bah du coup, puis le Pink Slime, j'ai juste remis en process. On a du Pink Slime. J'ai juste remis deux Iron Ingot. Et comme ça, au moins, ça nous en fait. Ça, c'est en train de se faire petit à petit au niveau des Ultimate Singularity. On va voir si je peux en relancer une après. Parce que là on en a une seule, les autres sont en train de se faire. C'est un petit peu lent hein, mais ça se fait bien. Et après comme ça on sera tranquille. Les Ultimate Ingots sont en train de se faire aussi. Ce que je vais faire moi en attendant, c'est ici je vais faire les premiers crafts. Donc si je marque Ultimate, on va pouvoir faire ici l'Ultimate Component qui se fait comme ceci, voilà. Et cette Ultimate Component, on va pouvoir se faire ici les Ultimate Catalyst. Voilà, parfait, juste là. Et ça on va pouvoir... Pareil, le mettre par exemple ici, ok. Et ce que je veux aussi, c'est le créative. Donc le créative, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les singus se passent et après on remettra dans le package juste là. Alors en fait, tout simplement, je vais pouvoir déjà le setup ici. Je vais faire ça, tac, et je vais lui dire, bah tiens, ça se fait comme ceci. Et là, vous voyez qu'il me manque du chroma ingot. Alors le chroma ingot, tout simplement, alors je viens de voir qu'il va me falloir aussi des ultimate blocks. Bon, ça, c'est pas bien grave. Les chroma ingot, en fait, j'ai réussi à en faire. Enfin, j'ai réussi à en faire. J'ai tout setup pour les faire et j'ai préparé un petit peu pas mal de choses pour pouvoir les faire. Je vais, si je regarde Chroma Ingot, j'en ai 4 à l'heure actuelle, sachant que là, il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il va m'en manquer 4. Donc, en vrai, tout ça, c'est assez facile à faire. Il vous faut des spéculations corps. Donc, spéculation
Ça, on en a un ici, on va pouvoir le réutiliser. On va pouvoir mettre ça avec un Terra Steel et un Blueprint. Ok, du coup, Terra Steel, ici, on en a. Blueprint, je sais pas si j'en ai des Blueprints. J'en ai pas, mais je peux en crafter. Normalement, c'est pas très très complexe, voilà. Ça, ok, ça, on va pouvoir aller le setup. Là, je vais attendre que les Singus se fassent. Au niveau des Singus, on en est à 2 sur les 3. Après, il faudra que j'en relance une. Et comme ça, on va pouvoir... Alors, en soi, je peux déjà relancer une autre Singus. Voilà, on va faire ça. Comme ça, je remets 4 Singus, start. Et en attendant, moi, je vais faire les autres crafts. C'est-à-dire que je vais aller au niveau de mon process d'apply, qui est juste ici. Et juste là, je vais pouvoir... Alors, celui-ci est stoppé. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il est stoppé, d'ailleurs. On va résoudre ça. Pourquoi t'es stoppé? Il faudrait que je mette en blocking mode ici. On va mettre en blocking mode et là on va mettre ça à la place. Ouais, c'est bizarre qu'il soit bugué comme ça. Voilà, ok, il est relancé, c'est parfait. On va remettre ça en place ici. On va attendre que ça se processe. On va mettre un coup de time in the bottle dessus. Et après je pourrais process ma petite chose qui est juste là. Ok, bon bah du coup, let's go, on va patienter et on va mettre ça en place juste après. On va pouvoir mettre à l'intérieur le spéculation, le terra steel et le blueprint. Regardez, ça va me faire ici mes chroma ingot, enfin pas mes chroma ingot, mais mes blancs chroma ingot, mes vides, mes unassembled, ok. Et du coup, ça je vais pouvoir aller les récupérer directement là, unassemble chroma ingot, ok. Et il va me falloir ensuite, dans l'infusion altar, mettre des singus, ok. Singus plus lightning dragon steel, fire dragon steel, donc déjà dragon steel, ça on en a, c'est pas un souci. Fire, lightning plus ice dragons, ok, donc ça, ça. Et ça, il va me falloir en plus des singus, c'est ceux-là, regardez ça, hop, on va en prendre 8 au total, parfait. Et avec ça, il va me manquer des condensés de mana, des danses magical, donc ça, danse, on en a deux ici, mais ça, je peux les autocraft, donc ça, j'ai oublié de les autocraft, on va en recrafter quelques-uns. Si je fais ça, on va pouvoir les lancer, nickel. Et du coup, on a le condensé de mana que j'ai fait qui était très très long. J'ai passé pas mal de temps à faire ça. Donc hop, on va en faire 8 ici. D'ailleurs, je remercie les gens du serveur que j'ai été un peu me servir sur leurs autocrafts pour que ça aille un peu plus vite. Notamment pour du Elemental Craft. Quelqu'un sur le serveur l'a énormément bien auto. Donc ça, ça va. Les condensés de mana, ça a été plutôt simple avec tout ce que je vous ai montré le dernier coup. Et ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer juste les condensés de Magical. Donc il y a juste ça à faire. Et bien vous savez quoi, on va les faire. Je vais pouvoir ici faire mes lingots. Donc avec de l'insenium, mes différentes parties ici. Tac, on va faire ça, on va faire ça. Je vais pouvoir start ça. Ça va me les faire. Je vais tous les faire. Et on va se retrouver pour faire ensuite le chroma ingot. Donc regardez, hop, on a ça. Il se fait ici. On va pouvoir faire les autres. Let's go. Une fois qu'on a les condensés, on va pouvoir transformer les autres. Alors les danses, je vais en faire quelques-uns encore. Dance Technical, il va m'en falloir combien? Il va m'en falloir, on en a 12, 13, alors non c'est pas ça, Technical, voilà, Technical, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, il nous en manque 4, on va les faire. Du coup, 1, 2, ça, 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 1, 2, et il nous manque la Singu ici, on peut start ça, regardez, ça va me faire mes Chroma Ingot, donc ça c'est pareil, on va patienter et on va les faire, regardez, boum, Chroma Ingot, ça c'est parfait. Let's go pour faire la suite, tac, 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 et ici, et hop, let's go. Pour terminer ça, il va nous falloir, comme je vous parlais tout à l'heure, des Singu Custom, et cette fois-ci, on a quoi? On a ce qu'il faut de Powa, Blazing, Spirit, Nitro, plus Niotique, ok. Bah du coup, tout ça, en vrai, on peut les faire, regardez, si je marque Nitro juste là, on en a pas mal ici, des Nitro Crystal. Du coup, ça, il va m'en falloir un total de 8000, donc je vais lui en demander 8000. Une fois que j'ai mis 8000, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que j'ai mis un Export Bus, j'ai refait un Quantum Compressor avec un Ultimate Catalyst, je vais pouvoir mettre ça ici, et tout simplement, là, il va m'importer directement mes Nitro Crystal, et comme ça, je vais pouvoir me faire mes Singus. Donc moi, je vais faire les 8 Singus, enfin les 4 Singus qu'il me faut, là, ces 4 là, et on va se retrouver juste après, une fois que je les ai tous faites. Mes singus sont terminés, je vais pouvoir maintenant les mettre dans mon applied et on va pouvoir commencer à faire le creative ici, Energy Cell. On va voir ce qui va me manquer, on va faire start et là on voit qu'il ne manque pas grand chose, voire rien du tout. Et bah du coup, vous savez quoi, on va le lancer et on va se dire,
à tout de suite parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Allez, start, let's go. Les amis, après un bon moment, le voilà, l'énergie cell créative. Enfin notre premier item créa. En vrai avec ça vous allez voir les amis, ça va nous débloquer énormément de choses, énormément d'automatisation. Et du coup on va s'empresser, vous savez quoi, on va l'exposer carrément. On va l'exposer, on va le mettre directement ici en fait. Je pense qu'on va le mettre on va le mettre ici pour l'instant. Je vais la poser là, l'énergie créa. Et dessus je vais me mettre un petit flux plug hein, parce que bon voilà, on va aller remplir notre source d'énergie. Je vais faire ça, je vais me mettre en entrée d'énergie, disable limit. Et là les amis, regardez-moi ça. Ça va me remplir à une vitesse phénoménale mon mecha là-haut. Et ça, ça va faire plaisir. Ça, ça va faire plaisir. 419 millions de FE par tick. Sachant que là, je crois qu'on est capé avec ce qu'on a de mecha. C'est-à-dire que dedans, je pense qu'il faudrait que je remette des machins là, des providers. Mais ouais, mais du coup, c'est nickel ça. C'est vraiment nickel. Et je pense que dessus, je mettrai deux flux plugs. Parce que vu que c'est du créa. Parce que en fait, pourquoi je voulais faire ça, c'est qu'on va faire quelque chose de mecha prochainement qui demande énormément d'énergie. Mais quand je dis énormément d'énergie, c'est vraiment énormément d'énergie. Et pour le coup, je vais avoir besoin d'au moins un truc comme ça pour le faire tourner, un blind. Et du coup, c'est ce qu'on verra prochainement. Dans tous les cas, les amis, nous on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut les amis.